Yo tout le monde, c'est le guide Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Skyblock ATM 7 jusqu'au ciel. Le dernier épisode, on avait vraiment évolué. On avait commencé la construction du cercle géant. Aujourd'hui, mes objectifs, c'est récupérer du fer avec le filet et terminer la construction de ce cercle. D'abord, il faudrait une place pour planter des arbres. On a grandi comme ça un peu. On va commencer par planter des arbres et les casser. Je vais farmer un peu de cobblestone, comme ça je fais plein de haches d'un coup pour ne pas chaque fois devoir casser et prendre et tout. Ah oui, aussi en plus des objectifs, j'aimerais faire le générateur de cobblestone. Avec les arbres, on va pouvoir faire encore de l'eau, comme ça on aura une source infinie. Avec le fer, on va pouvoir faire un autre seau pour enfin pouvoir faire le générateur à cobblestone. Est-ce que genre, je fais cette zone, c'est que pour les arbres? Je pense qu'on va diviser la zone en plusieurs parties quand on aura d'autres types de bois. Parce que genre, faire encore 10 cercles pour tous les types de bois, non merci. Comment je vais faire pour atteindre ce bloc en haut? Qu'est-ce que c'est satisfaisant? Ce qui serait satisfaisant, c'est que le pourcentage des non-abonnés ne soit pas aussi élevé. Oh, sérieusement, ça m'aiderait vraiment si vous vous abonnez. Ça me donnerait de la force de continuer d'apposter de plus en plus vidéos. Donc, je remercie tous ceux qui le feront. Je n'ai plus de bois. On a fait un tiers. J'ai déjà tout. 22. Ok. Et donc il me manque deux. On fait encore un arbre infesté et on y va. Je vais commencer à crafter des sieves. On a déjà 11. Il nous faut encore plusieurs sticks. On a 17. Ok, je crois que ça suffit. Et je les place. Voilà. Et ensuite, je place. Je sais pas s'il faut que ce soit forcément 5 par 5 pour qu'on place. Allez, c'est le moment de vérité. On peut tout faire même si c'est pas symétrique. Ok, nice. Ah bah voilà, on a tout utilisé. Donc on a eu plein de gravier. C'est... Et donc, il me manque une seule. Nice. Et maintenant, les fils. Voilà, c'est beaucoup ça. On a 15, ce qui est assez pour deux. Et je n'ai pas de pied de truc de fer. Ou attendez. Vu que c'est un grand arbre, exception, je vais placer des silkworms. J'allais farm pendant ce temps. Donc vu qu'on est là, de retour là, encore en train de farmer, c'est le moment parfait pour vous faire la pub pour mon serveur Discord. N'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description. Vu que je compte reprendre YouTube, je voulais organiser plein d'événements avec mes abonnés. Et quoi de mieux que Discord pour communiquer avec vous? Donc rejoignez, le lien est dans la description. Ah oui, donc je vais fermer les silkworms, comme ça on aura un être vivant qu'on pourra utiliser pour faire l'eau ou bien de la dirt. Parce que la dirt, on va en avoir besoin en masse si on veut faire un cercle aussi grand que ça. En dirt. Plus on a des filets avancés, plus on a de chance d'avoir des minerais. On a déjà 4, et donc voilà, nice. Je veux farmer un maximum de gravier parce que j'ai envie de faire ce saut et en finir avec la cobblestone. Ensuite, on pourra farmer le bois autant qu'on veut. Je vais ranger le fer bien en sécurité dans le coffre parce que j'ai peur de tomber avec lui. Voyons voir si j'aurai les deux restantes cette fois. Attends, j'ai un ici. Oh, j'avais un, je l'avais pas récupéré d'avant. Heureusement que je l'ai vu. J'ai 6. Waouh, c'est plus que d'habitude. On a assez pour faire un troisième fer. Mesdames et messieurs, voilà notre seau. Et donc, on récupère ça. On prend l'autre seau. Donc voilà notre source d'eau infinie. On place ça au milieu. La lave, l'eau. Voilà notre générateur de cobblestone. Ensuite, on peut faire un cobblestone. Il nous faut encore un seau de lave. Pendant qu'on attend, on va faire quelques expériences. Comment ce truc marche? Si je prends un coffre, on le place au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. J'ai aussi appris que, en plus des coffres, on a ces trucs appelés drawers. Et si je place ça, je place ça. Ah, voilà, au-dessus. Et donc, vu que je suis là, je vais prendre la cobblestone et je vais casser la couche externe et la remplacer par de la cobble. Donc, vous voyez, là, on a le cobblestone generator et on n'a pas de générateur pour le gravier. Et donc, comme je l'ai dit avant, on va faire la technique. On va faire plein de compressed cobblestone, des blocs de cobblestone. Et on va les casser à la suite avec le hammer. Ou déjà 264. Ah ouais, ça a un flow de fou, là.
Regardez, l'extérieur, c'est en cobble. Et donc voilà. Ah ouais, ça a un flow de fou. Et je continue. Mince, mince. Non, pas de la cobble. Pas de la cobble. Mince. Ah là là. Ah ouais, on a déjà rempli la moitié. C'est cool. C'est cool. Voyons l'état de la lave, elle est prête. Le générateur au milieu, lave, eau, et on l'entoure avec de la pierre. Et voilà notre cobblestone de tir 2. Ensuite, on peut faire une et en fer, en gold et en diamant. Bon, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Vu qu'on a fait notre premier objectif, le deuxième, c'est de recouvrir toute la zone. Donc, je vais farm le bois et je vais commencer la construction. Voilà, j'ai récupéré 2 sacs et 3 de bois. Malheureusement, je vais devoir détruire ma base de toujours. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin à casser le coffre et récupérer les items. On peut juste faire ça. Jure. Oh putain. What? Non. Non. Oh là. L'eau, elle ne s'est pas placée à temps et je suis tombée. Heureusement que j'ai placé la source. Au moins qu'elle s'est placée, ça c'est cool. What? Qu'est-ce que j'ai? Ah, il y avait une quête. Cette quête, elle demandait d'avoir du fer et un four. Ok, j'ai eu de la nourriture. On peut faire un four amélioré avec 8 de fer. Non, merci. Peut-être le prochain épisode. Non, pas le lit. Oh là là, quelle perte aujourd'hui. Mince. Non. Tu plaisantes. Oh putain. Ma première tombe. What? Comment ça, j'ai une clé? Donc j'ai eu de la poussière de tombe. J'avais les 2 seaux avec moi. No way. J'avais les 2 seaux avec moi. Je crois que grâce à ce mod, même si on meurt, on peut récupérer nos items. Enfin, c'est ce que j'espère. Bon, allez. Intervention, sauver mes items. Ok. Donc, j'ai pensé. On descend sur ce pylône. Ok. Donc, je suis arrivé là. Attends. Ma mort, elle était quelques blocs devant moi. Attends, c'est ça ma tombe. Je me disais, quand je suis tombé, je l'ai vu et je me suis dit, what? Si je récupère. Oh, j'ai récupéré tous mes items. Oh, qu'est-ce que c'est? Allez, le cercle, il est presque fini. Encore quelques blocs. Et j'espère que j'ai assez de bois parce que là, je vois le nombre d'effets tombés. Attends, what? C'est quoi ça? Un cadeau? Car je suis mort peut-être? Le garde là-dedans. On verra qu'est-ce que ça fait. Pour l'instant, contentons-nous de terminer la construction. Je crois que ma wand, elle va le faire. Allez, une dernière fois. Mince. Bon. Rip. 3, 2, 1. GG. Wouhou. Incroyable. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai terminé la base, la construction de la base. Je crois que ça mérite un petit pack opening des familles. Oh oui, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oh waouh, un sac, et presque 2 stacks en fait. Voyons voir. 13, ok. Je crois qu'on aura assez pour transformer tout. On continue. Qu'est-ce qu'on obtient cette fois? Encore plein de grès, plein de flint. Ok, c'est cool. On a aussi du fer. On continue, on s'arrête pas. Et donc, combien de flint on obtient? On obtient 13. On continue. Qu'est-ce qu'on obtient cette fois? On obtient 11 presque. Moi, je vous dis quoi? Allez, je prends 2 cobblestone. Transforme. Et voilà, 25. Et donc, le dernier, le meilleur pour la fin, comme on dit. Ouh, beaucoup, comme d'habitude. Donc, cette fois, on a 17. Oh mince, on a presque assez pour faire un 3e. Bon allez, et il y a encore un sac. Bon allez, c'est pas grave. En espérant avoir du flint cette fois. Donc j'ai 46, wesh. Et donc j'ai assez pour améliorer les autres. Et donc voilà, maintenant on a tout en flint. Notre prochain objectif, c'est tout en fer. Allez,
On fait tout d'un coup, allez, on s'arrête pas. Voyons voir. Au final, on a obtenu 15 de fer, 15 pistes de fer, donc 3. Donc les amis, on a fait un très grand avancement dans cet épisode. On a enfin crafté le générateur à cobblestone tier 2. On a rempli toute la zone de bois et j'ai fait l'extérieur en pierre. On a eu aussi plein de fer. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Moi je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde, bisous.